Merci. La parole est à monsieur Xavier Breton. Monsieur le Président, mes chers collègues, tout d'abord, je voudrais indiquer à monsieur Moscovici que ce n'est pas nous qui dénigrons notre pays. C'est vous qui l'abaissez inexorablement avec votre politique. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre et j'associe mon collègue François de Mazières. Monsieur le Premier ministre, notre Assemblée examine votre projet de loi sur le mariage et l'adoption par les couples de personnes de même sexe. Avec ce texte, vous êtes en train de diviser les Français. Alors que notre pays est confronté à de graves difficultés économiques, l'urgence est-elle vraiment de diviser les Français? Pourquoi les diviser sur un sujet qui fait appel à des convictions qui, si elles sont différentes, n'en sont pas moins toutes respectables? Pourquoi diviser les Français sur la politique familiale, qui est un des premiers facteurs de l'unité et de la cohésion de notre pays? Et pourquoi allez-vous diviser les Français avec la PMA et avec la GPA? On le sait, votre texte n'est fondé que sur une soi-disant logique d'égalité entre les adultes, alors qu'il va créer l'inégalité entre les enfants, dont certains vont être délibérément privés d'un père ou d'une mère. Vous êtes dans la logique du droit à l'enfant et vous niez les droits de l'enfant. Et ce droit à l'enfant conduira inéluctablement à la PMA, puis à la GPA. Les Français le savent et le refusent, comme l'ont si bien exprimé des centaines de milliers de manifestants. Vous sentez cette colère monter et vous ne savez plus comment y répondre. Monsieur le Premier ministre, vous avez dû, depuis le Cambodge, recadrer ce sujet, une de vos ministres. Le président Jacob propose depuis le 12 octobre dernier que le Comité consultatif national d'éthique émette un avis sur ces sujets de société. Parce que ni vous, ni le président de la République ne l'avez saisi, le Comité d'éthique vient de se saisir lui-même de la question. Et le président du groupe socialiste discrédite cet avis en disant que, de toute façon, avant cet avis, avant les États généraux, le gouvernement ne tiendra pas compte et la PMA sera votée coûte que coûte. Alors, monsieur le Premier ministre, quand cesserez-vous de diviser les Français ?